se retrouve aujourd'hui sur Fortnite et comme vous l'avez vu dans l'intro, c'était un échange entre moi et ceux qui étaient sur le live. Donc voilà, je vous invite à venir sur Twitch. Donc si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, parce que là je joue pas, ce que vous avez c'est un gameplay sur Fortnite qui est à mes yeux mon plus beau top 1 jusqu'à ce jour. En fait, à chaque fois je vais vous proposer une vidéo sur Fortnite, ce sera mon plus beau top 1. Et celui-là clairement c'est vraiment mon plus beau top 1 parce que c'était ma première partie de la journée sur le jeu. J'ai lancé un stream et j'avais pas mis le micro parce que comme il est tard, je parle pas fort. Enfin voilà, ma copine dorme à côté, j'avais pas envie de la réveiller parce que j'ai envie de faire un live quoi, tu vois, c'est normal. Donc j'avais pas mis le micro, donc c'était la partie de chauffe et la partie d'après je mettais le micro. Mais le truc c'est que le top 1 que j'ai fait là, franchement c'est mon plus beau tout simplement parce que j'ai fait que rusher. J'ai été chercher les ennemis. Mes constructions, je me suis pas trompé, j'ai fait que des bonnes constructions. Et vous allez voir qu'à la fin, c'est, je vais pas dire épique, mais franchement, j'ai rushé les mecs, mais j'étais chaud tout simplement. Donc c'est pour ça, même pour la fin, vous verrez plus ma tête tout simplement, parce que je vous mettrai une musique épique un petit peu, voilà, pour histoire de vous mettre un petit peu dans l'ambiance et de voir ce qui va se passer. Parce que vraiment, j'ai rushé les mecs, j'ai vraiment fait le boulot et c'était trop bien. Donc là, on commence par des petits kills, voilà, normaux au début. De la partie, c'est toujours comme ça. Tu commences par des petits kills, voilà, tout le monde vient de spawn et voilà. Mais le truc c'est que je sens que je m'améliore sur le jeu. Je vais pas dire que je suis bon, c'est pas vrai, parce que je fais plein de parties de merde. La plupart du temps en fait je spawn, je vais faire 4-5 kills. Et après c'est quand tu commences à chercher les mecs où c'est plus difficile. Quand ils m'arrivent dans l'eau ou alors que moi je suis au milieu et j'ai 4 gars autour alors que t'es en solo. C'est compliqué tu vois. Mais bref. J'avais vraiment envie de vous proposer cette vidéo, je voulais pas laisser ce top 1 dans les oubliettes, tout simplement parce qu'il est vraiment cool, franchement j'ai trop kiffé ma race, j'étais mais archi concentré, je sais pas si vous ça le fait, mais en fait quand moi je joue à Fortnite, je suis tellement concentré, et surtout quand t'arrives sur la fin de la partie, limite je respire plus quoi, mon cœur il commence à battre à 10 000, et ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment dans le jeu parce que ça me rappelle des souvenirs comme sur Modern Warfare 3, voilà je pars loin mais quand tu tentais la mob, voilà moi je suis pas un joueur qui claque des mobs comme ça, qui faisait 24 kills d'affilée sur Call of tu vois, mais quand je me concentrais, voilà j'en avais sorti 7, c'est pas beaucoup hein, mais quand je me concentrais et tout, que t'as ton cœur qui commence à battre parce qu'il faut pas que tu meurs, il faut que tu fasses attention, c'est trop bien et cette sensation là, Fortnite me la donne tu vois, et avant c'était Warfare 3 qui me donnait ça, maintenant sur Call of j'ai plus la même chose, maintenant je joue à Call of, c'est plus de la détente, voilà je pars, je fais de l'arcade, tu vois c'est cool, c'est de la détente on va dire. Et Fortnite je sais pas c'est cool parce que t'as le challenge de pas mourir, de faire attention. Et voilà au début moi quand je jouais je me cachais un petit peu dans les coins tout ça et je me faisais chier en fait quoi tu vois, enfin je me faisais chier, j'arrivais pas à rush les mecs. Donc à force de regarder des vidéos de personnes qui jouent bien, forcément t'essayes de reproduire un petit peu ce qu'ils font. Et si j'ai un petit conseil à donner à ceux qui jouent mal comme moi, clairement entraînez-vous avec les constructions tout ça, même si voilà c'est... Au pire, vous, je sais pas, vous abattez je sais pas combien d'arbres, vous vous mettez sur le côté, vous vous entraînez à faire des constructions le plus rapidement possible. Et puis voilà, après quand vous serez en partie, vous retentez plusieurs parties, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça paye quoi. Moi ce que j'essaye un peu plus, c'est de mettre des escaliers. En fait, vous rushez le mec et vous mettez des escaliers à chaque fois. Et le mec, il voit que vous prenez de la hauteur, donc il recule si vous tombez contre des personnes faibles. Parce que si vous tombez contre des mecs bien balèzes, je peux vous dire que c'est compliqué par la suite. Mais vraiment là, vous voyez, je fais que bouger en fait, je m'arrête jamais. Là sur la partie, je pourrais vous la mettre entièrement la partie, je sais même pas si je m'arrête une seule fois. Si, il y a un moment où je fais une construction forcément pour voir un petit peu où se trouvent les mecs. Mais la construction, franchement, je reste quoi 30-40 secondes dedans et après je me barre quoi, tu vois. De toute façon, vous allez le voir, je l'ai mis dans la vidéo. Je vous ai aussi coupé les passages parce que la partie complète comme ça à commenter, c'est un peu difficile. Je sais pas si on me voit bien parce qu'il n'y a pas trop de lumière, mais bref. Mais vous voyez, regardez, comme là, je me barre. D'habitude, là, je serais resté à côté du mec, je me serais fait défoncer. Là, je me suis barré, j'ai mis mes deux constructions que j'ai pas loupées parce que d'habitude, je les loupe. Et voilà, je me suis dit, le mec, c'est sûr, il va me chercher là. Je savais pas qu'il allait me chercher direct dans la maison, je pensais qu'il allait descendre. Il m'a attendu là. Eh non mec, je brain. Mais vraiment voilà, c'est, il y a des instants sur Fortnite où voilà vous êtes content de votre duel, vous êtes content de ce que vous avez fait. Et là clairement sur cette partie, je sais pas, j'étais chaud, je sais pas ce qui s'est passé, mais tout ce que j'ai fait, ça a marché. Franchement, ça a marché. Il y a que au début, bon là je vous l'ai pas mis, mais voilà, c'est là l'endroit où on va dire je campe, je reste les 40 secondes et j'ai bien fait de rester parce qu'il y avait un mec qui arrivait. Vous allez voir là-bas complètement sur la gauche. Non, de l'autre côté mec, de l'autre côté. Ah, de l'autre côté, regarde sur ta gauche, Regarde sur ta gauche. Il est toujours en train de regarder sa carte. Regarde à ta gauche. Je te dis qu'il y a un mec à ta gauche. À ta gauche, voilà, au bout, au niveau de l'arbre, là. Tu le vois ou pas? Regarde bien. Regarde à ta gauche. Il regarde pas à sa gauche, c'est incroyable. Regarde à ta gauche, enculé. Mais à ta... Voilà, il l'a vu, regardez, il l'a vu, je crois. Je crois qu'il l'a vu. Non, il est mauvais ce joueur. C'est bon, j'arrête les conneries. Bon, mais ouais, bref. Mon shoot s'améliore carrément. Je prends du plaisir sur le jeu quand ça se passe comme ça. Mais même des fois, hein, je lance des parties, j'attaque direct mes duels pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je m'en fous de mourir au bout de 3-4 kills. C'est vraiment pour enchaîner mes duels. Maintenant, ce que je fais, c'est que je saute du bus. Dès qu'on peut sauter du bus, je saute tout de suite, je prends une arme et j'attaque direct les mecs. Et franchement, j'ai fait ça pendant 3 heures. Dans une après-midi, j'ai fait ça pendant 3 heures. Donc, j'arrêtais pas de crever tout ça. Et pendant 3 heures j'ai fait ça, je descendais, je faisais mes duels, tout ça. Et au bout du compte je me suis carrément amélioré parce qu'au soir, je sais plus, j'ai refait quoi, 5-6 parties, j'ai fait 2 top 1. Alors que je galère à faire mes top 1. Et j'ai fait 2 top 1 voilà, avec un petit peu d'entraînement. Donc vraiment je vous le conseille, pour ceux qui jouent mal comme moi, je vous le dis. Hein. Après ceux qui sont experts, qui font des top 1 comme ils veulent. Voilà, mais moi vraiment à mon niveau je suis content parce que c'est cool quoi. Surtout que Fortnite je le crame pas non plus, je joue, allez on va dire, quand j'y joue, je joue 1 heure ou 2 quoi. Ouais, je joue 1 heure ou 2 et après je joue à d'autres jeux donc forcément. Mais clairement je kiffe. Là ce top 1 là il était vraiment kiffant. Bon sur ce moi je vais vous quitter parce que là il va commencer à y avoir un petit bruit de roquette. Dès qu'il y a le bruit de roquette je vous laisse avec le gameplay et avec une petite musique épique pardon. Et donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est spécial de, voilà, de commenter par-dessus, enfin de faire une vidéo différée voilà, sur Fortnite. Le mieux c'est en live. Et c'est pareil en live, tu parles pas beaucoup, t'es concentré, tout ça. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous proposer cette vidéo parce que c'est mon plus beau top 1 jusqu'à aujourd'hui. Dites-moi un petit peu vos stats dans les commentaires, que ce soit en solo, duo et squad. Moi vraiment en squad je sais pas jouer. J'ai joué la dernière fois, je sais pas jouer, j'arrive pas, même on me donne, ouais regarde là et tout, je suis zéro, j'arrive à jouer en duo et en solo, mais en squad je sais pas pourquoi, je suis archi mauvais, pourtant c'est plus simple, hein, mais je suis archi mauvais, donnez-moi vos stats, même si c'est des stats de merde, je m'en fous, moi j'ai des stats de merde aussi, j'en ai rien à cirer, j'ai quoi, j'ai 6 top 1 en solo, et 6 top 1 en duo, et 1 en escouade, c'est pour vous dire, j'ai pas énormément de top 1, bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, moi je vous laisse ici, parce qu'il va commencer à avoir des petits bruits de roquettes, et vous allez voir que là on est combien? On est 3, donc je suis dedans, il reste 2 mecs en face, et vous allez voir que je vais leur faire mal. Je vous laisse avec la fin de la vidéo, j'espère que ça va vous plaire, et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, allez ciao, peace.